Yaorana et bienvenue sur la première. Je suis ravie de vous accueillir sur l'air du Outé Paris Paris de Farito Nourapou en compagnie d'Edwin Tihoura qui orchestre une soixantaine de choristes et cette année il nous chante quelques péripéties du héros mythique des îles Soulevant, Hiro. Edwin, Yaorana. Pourquoi Hiro est-il aussi célèbre aux îles Soulevant? Ben, je pense que dans les temps mythiques, il a quand même fait pas mal de choses. Hein. Donc du coup, ça a marqué les esprits. Hein. Et ben, forcément, les légendes, elles restent. Et à chaque fois, ça se transmet de génération en génération. Hein. Quelles sont celles que vous avez choisi de mettre en musique cette année? Alors, pour le Tarawara Romantaï, c'est la scission de l'île en deux. Houhinenou et Houhineiti. Pour le Ruo, ça sera la légende de Hiro et les deux canards de Orohena. Et pour le Outé Paris Paris, ça sera la rame et l'hameçon de Hiro. Pour la scission de l'île, une nuit, pendant leur voyage, il a donné des directives à ses frères. Mais pendant le voyage, ses frères se sont endormis pendant le voyage. Donc du coup, ben là. Le bateau, au lieu de contourner l'île, le bateau a foncé droit sur l'île. Donc du coup, ben, ça a fondu l'île en deux. Quoi. Voilà un peu pour le Tarawa. Pour le Ruo, alors c'est plus l'histoire d'un objet précieux que Hiro avait jalousement gardé et qu'il avait confié à sa fille lors de son voyage à Borobora. Il avait donné les directives à sa fille, mais bien entendu, sa fille, à un moment donné, elle a été distraite par je ne sais trop quoi. Du coup, ben, elle a laissé cet objet précieux comme ça, à la vue de tout le monde. Et cet objet précieux a été dérobé par les canards de Orhena, donc du coup, de Reatea. Cet objet précieux est arrivé jusqu'ici, à Tahiti. Mais je pense, il paraîtrait que ce serait une perle quoi, comme objet. Voilà. J'ai été captivée par ces récits, mais je vais te libérer parce que certains ont commencé à entonner les premières notes de votre Himene Ruo. Je vous quitte avec regret, juste le temps de souffler un peu. Je vous donne rendez-vous à 19h20 avec le groupe de danse Stéphane Ayahouré qui participe pour la première fois au Hawaii Tahiti. En attendant, continuez à suivre les aventures de Hiro avec le Tarawara Romantai de Farito Nourapou.